Salut les viewers, c'est Mercus Polus, et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Starbound, chers amis. Un épisode un petit peu particulier puisque je passera dans mon navigateur internet, tout simplement, parce que je veux vous montrer les différentes évolutions que le, le jeu a pris durant le temps où je n'ai pas pu jouer avec vous, euh, donc à Starbound. Je ne vais pas vous montrer le trailer parce qu'il représente en fait la combat update, donc l'update précédente, donc tout ça vous l'avez déjà vu. Les races, cependant, je peux vous le montrer si vous le voulez, hop, voilà tout simplement parce qu'elles ont leur propre maintenant leur propre euh, mise en page, entre guillemets. Donc, dans Star Wars, rencontrez les races. Dans Star -Band, vous pouvez choisir entre sept races complètement uniques, avec leur propre culture et histoire. Les races humaines... Voilà la traduction. <laughs> euh, en fond, après leur, leur longue histoire, enfin, avec leur histoire longue et turbulente, les humains... Euh, tentent de, de s'approprier, euh, tend to possess ouais, ça. Euh, ont plutôt tendance à avoir un cœur, euh, le cœur léger et, et une version optimiste de la de la vie et de l'univers, euh, plutôt que de se, de se concentrer sur leur, leur expansion, leur expansion, donc, la, comment la leur développement dans la, dans l'univers. Les humains ont plus choisi de se, de se former une société euh, pour unir les peuples donc de tout l'univers. Le protectorat terrestre. J'imagine que c'est terrestre. Ou terrénien, on va dire. Parce que terrène, ça ne veut rien dire. Les apex, qui sont donc une fois... Alors les humains, vous connaissez, je ne les ai pas décrits. Les apex, qui sont littéralement des hommes primates, comme vous pouvez le voir à gauche comme à droite. Donc le, le sprite d'un personnage. Et ensuite le sprite dessiné. Le sprite artistique, donc. Les Apex, une race de primates extrêmement intelligents depuis des millénaires, depuis un millénaire, les Apex ont toujours été proches des humains au niveau de leur apparence, jusqu'à ce que les scientifiques, euh... jusqu'à ce qu'une, qu une, une avancée scientifique leur permette de change, de modifier leur apparence physique, en, en, pour, pour pour augmenter leur, euh, donc de, oui voilà, en fait de réduire leur apparence physique, ce qu'ils appellent la dévolution. Pour augmenter leur intellect, encore une fois. <coughs> donc en fait, c'est une dégradation physique en, en singe, donc un retour sur physique sur le comment, dans le temps, dans, dans l'espèce humaine, en tout cas dans leur espèce à eux, et une augmentation pour eux, donc une avancée intellectuelle dans l'autre sens. Une espèce de balance un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, les avianes, donc un peuple donc d'hommes canards, hein, littéralement. Les avianes sont une race d'oiseaux, enfin euh, de, de, de drôles d'oiseaux colorés. Avec une culture tribale autour de leur de leur, euh, comment, de, leur euh, de leur culte à Cluex, euh, le dieu ailé de l'éther. Leurs soldats sont entraînés depuis la naissance et deviennent de fiers guerriers qui, protect, qui protégeront pardon les temples quoi qu'il qu leur en coûte. Donc on peut voir un sprite et une image. D'ailleurs l'image correspond apparemment le plus souvent plus ou moins sprite Les ilots, 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 Ilotl. ilots. Ilotl, 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 Ilotl. Les, euh, les 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 Alors Le problème c'est que là il y a pas y a pas vraiment de terme. Euh, ils vivent dans l donc ils sont ils sont euh, pacifiques. Oui le ça les pacifiques euh, Ilotl ont ont, ont ont comment une grande ont, ont toujours eu une grande valeur en leur tradition. Enfin on pour toujours eu ont, ont toujours donné de grandes valeurs à leur tradition leurs traditions ont toujours eu de grandes valeurs excusez-moi c'est pas du tout pas pareil, je préfère vous le faire comme ça parce que ça me permet d'avoir un ressenti euh, envers leurs ancêtres enfin les traditions de leurs ancêtres et euh, ont une grande facilité dans les arts originairement euh, donc comment dire dirigeant leur propre terre leur nature passive a fait d'eux des, des proies faciles pour les Floranes et ils ont été donc. Euh, and they were driven beneath the waves. D'accord. Donc ils ont été donc éjectés des, de l'eau, donc littéralement, euh, éjectés des vagues, d'où lesquels maintenant. Donc ils ont, enfin, where they now thrive. Donc maintenant ils sont plus sous l'eau, mais donc au niveau des rivages. La traduction n'est pas. Alors je, vous pourrez très bien me corriger, ça bien, hein, Je suis très très mauvais en anglais. Hein. Enfin très très mauvais. Non, mais pas tant que ça. Mais disons que j'ai un gros gros manque, une grosse lacune au niveau du comment de de la, de la grammaire tout simplement. Euh, glitch les glitch donc on peut voir des hommes robots même un robot assez ancien j'ai envie de dire euh, les glitchs ont été construits dans une civi pour simuler une civilisation à un défaut dans leur programme a causé, a causé euh, un bug dans la simulation assez tôt dans la simulation ce qui fait qu'ils ne sont plus capables de sortir de leur, euh, de leur euh, voleurs médiévales et de leur, bah, de leur époque en fait simplement. Ils ne peuvent pas évoluer plus loin que l'époque médiévale. Les fameux florins, dont on a entendu parler plus tôt, des hommes plantes, ne, ne vous laissez pas avoir par leur apparence, euh, comment dire, donc pacifique. Les florans sont connus dans l'univers pour être extrêmement euh, agressifs et des chasseurs carnivores pas particulièrement inventifs dans le, de, même, et ils ont parfois, ils ont quand même une très bonne qualité à voler, et à adapter la technologie des gens, qu'ils ont attaqués. Donc, en fait, c'est des, c'est légèrement des pilleurs, en fait, vous voyez. Ils récupèrent un petit peu tout, par leur, par la force de leur brutalité, et derrière, ils récupèrent. Et enfin, les Novakids. Les Novakids sont une, sont, une euh, sont sont, un mystère pour tout le monde, décrit comme des, euh, <laughs> des, des, des sacs de gaz interstellaire, des sacs à proutes interstellaire. Il semble être de la matière d'étoile, il semble être fait du, comme, une, comme une étoile. voilà Star Matter Autant physiquement qu'émotionnellement, généralement plus intelligent que les races faites de, de chair et de sang. Uh, their short attention spans and will attitude means little of their history has been. Leur, leur, euh, leur côté très, très, très comment, très. On va dire comment, on va dire. Euh, sauvage et euh, parfois euh, imprévisible fait qu'ils ont en fait un petit peu tous un, un stade en train dans la vie et du coup très peu de leur histoire a été enregistrée. Bon, je sais que ma traduction est très mauvaise. En tout cas, moi, c'est ce que j'en comprends, chers amis. On retourne sur le, la page principale. Une exploration sans fin. Sur laquelle on peut voir un vaisseau Apex avec un Apex commande. Et son. Euh, ça ressemble à un chat, bizarrement. C'est très bizarre ce truc. Vous, avez, vous êtes en fuite chez vous. Euh, tout simplement pour vous retrouver seul dans l'espace avec un. Et vous avez fini par vous retrouver donc seul dans l'espace avec un vaisseau endommagé. Votre seule option est de vous téléporter sur la planète sous vous. Et de récupérer des ressources pour que vous pouvez pour récupérer pour réparer bah, pardon votre vaisseau et vous mettre à explorer le vaste et infini univers. Dans cet aventure vous créez votre propre histoire. Il n'y a pas de mauvaise façon de jouer. Vous pouvez sauver, vous pouvez, you may, shoot... you may shoot to have... to save the universe from the force. Non, on pouvait choisir de euh, de sauver l'univers des forces qui ont, votre... Qui ont détruit votre votre maison. Euh... Découvrir des mystères les plus grands mystères galactiques ou encore euh... Simplement allez aller, euh, comme vous le voulez dans, dans un voyage épique pour coloniser, pour, pour coloniser simplement des planètes inconnues. Euh, il y a un lien ici. Qu'est-ce que c'est que ça D'accord, wonder directement, d'accord, pourquoi pas? Starbrunder, qui est donc bel et bien le wiki officiel choisi par les développeurs. Créez votre monde donc, donc, tout simplement, euh, posez-vous quelque part et commencez à, à, à fertiliser des champs. Devenez un seigneur intergalactique. Ils l'ont pris aussi en truc. Donc voilà, récupérer des marchands, des villageois. Voilà. Allez de planète en planète pour collecter, pour euh, oui, collecter simplement des euh, créatures rares ou creuser euh, votre chemin dans différents donjons pour réclamer de grands trésors. Bon. Euh, « Découvrez d'anciens temples et des moderne de, 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 de métropoles modernes. »« Des arbres avec des yeux et de très étranges pingouins. Enfin, »« Très étrange, c'est pas ça la traduction, mais bon, c'est pas grave. »« Utilisez des centaines de, de matériaux différents et près de 2000 objets pour, pour, pour créer, enfin, pour fabriquer. Euh, »« votre, votre, votre petite discrète cabane dans les bois, un château minival ou encore... » Arcade ou encore une salle d'arcade sous l'eau, pourquoi pas après tout, hein. multijoueur et euh, mode, enfin, acceptant les modes. Ça euh, a été créé en fonction, enfin pour, pour être joué à plusieurs et d'être facilement euh, modable, on va dire littéralement. Hein, on va prendre le terme. Vous avez les outils pour, pour faire de l'univers votre propre et euh, pour faire, vous, pour faire euh, votre, de l'univers votre jeu, votre, votre, ce que vous en voulez, en fait, simplement et modifier le jeu. Pour jouer à votre façon de jouer, d'ajouter de nouvelles rats, de nouveaux biomes, de nouveaux donjons, de nouvelles quêtes. Les possibilités sont sans limite. Voilà ce qu'on en pense. Donc, ça, c'était l'introduction, on va dire entre guillemets, chers amis. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais hop, reprendre un petit peu les entrées précédentes. Hop, voilà, vous ne verrez rien. Et je vais reprendre là où je m'étais plus ou moins arrêté. Plus ou moins arrêté. Alors. Je ne sais plus trop, à vrai dire. Je ne sais plus trop. On va remonter un petit peu plus loin. C'est pas grave. On va remontrer deux trois petites choses. <coughs> Hop. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. On va reprendre tout de suite ici. Donc, 23 février. Donc, Les, les fourmis. Les. les... What Je comprends pas. Avian Ant Farm. Donc, ils ont eu un mois. Bon, ça c'est pas très intéressant parce ça, que ça correspond plus à leur. Euh, à leur, leur. en fait, leur propres... les événements qu'ils ont réalisés du coup dans le mois de février. Euh, donc, voilà des images du jeu des, des, des commandes. Donc, d'un village avian implanté par Nekoto. Rien de bien étrange jusque-là. On reconnaît parfaitement le style avian. C'est quand même très très joli. Hein. Alors là, nous avons, nous avons un poste un peu plus grand. 29 février, clouless, sans indice. Euh, joyeux, joyeux lundi, euh, Saburi Forêt et, et Metadept ont travaillé sur quelque chose de vraiment cool. Voici quelques, quelques éclairages sur la façon dont Starboard géra son histoire principale dans un monde, dans un univers sandbox en fait. Alors l'heure actuelle, accéder aux missions d'histoire se fait par la, une série de quêtes. Tout simplement en allant voir le bon citoyen euh, dans, euh, avec le bon tir d'armure de, de, pour la mission. Dans la 1.0, ce sera complètement différent, de... Complètement séparé pardon, de la progression dans le craft et dans le build. Alors comment ça marchera? On ira voir donc des personnages, personnage particulier apparemment qui s'appellera Esther. Donc, vous pouvez le voir au niveau d'une porte, la fameuse porte. Euh, donc, que l'on voit dans le jeu actuellement, qui ne nous, nous indique rien du tout. Donc, regardez bien l'image. Je ne vais pas la décrire exprès parce que je ne veux pas me donner de, je veux pas avoir trop à y réfléchir. Je veux pouvoir en fait vous montrer sans avoir à trop y réfléchir et le découvrir en fait, ensuite. Euh, Esther, donc une archéologiste sans rival et découvreuse de, euh, de mystères, et est à la recherche d'une ancienne relique. Par exemple, donc ça c'est une explication, c'est un exemple chers amis, donc j'espère que ça ne sera pas ça, ça sera pas ça dans le jeu en fait. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas toutes les informations pour, euh, dont elle a besoin pour, trouver, euh, pour la trouver. C'est là que tu interviens. Donc en fait on peut voir qu'on va devoir utiliser le système de loop qui n'est que très très peu exploité dans le jeu à l'heure actuelle. Donc le inspect mode. Donc on va l'utiliser dans les villages, dans les, dans les campements et dans les donjons. Euh, et ça nous montrera donc des objets. Qui seront euh, mises en, val mis en valeur différemment. Vous voyez par exemple que tout est bleu sauf celui-ci qui est vert. Les inspecter donnera euh, à Esther plus d'informations quant à la de l quant à localisation de l'artefact. Par exemple, vous voyez on a un vert ici et ici on a un rouge. On va commencer là-dessus. D'accord, donc on voit l'image avec un différent, euh, différent symbole. Donc, par contre, on peut voir qu'il y a le même casque. Est-ce que c'est le fameux casque objet Non, il l'a déjà là. Peut-être que c'est celui-là quand même. De cette manière, en scanner certains permettra peut-être d'avoir plus d'informations sur d'autres. En scanner des indices en fait, ça permettra d'avoir peut-être plus d'informations sur où trouver de meilleurs indices. Donc, apparemment, certains objets sont très très rares. Il faudra mieux explorer beaucoup. Quand Esther aura suffisamment d'informations, elle sera à même de terminer la localisation et de vous donner les coordonnées de euh, la relique. Il n'y aura aucune condition donc, entre guillemets, sur l'équipement qu'on devra porter, donc il faut mieux être préparé. Donc ça c'est le commentaire vis-à-vis -vis de ceux qui jouent au Knightly Build. Moi je n'y jouerai pas, chers amis. Moth Friends. Euh... Nous avons euh, récemment ajouté hein, une bonne quantité de, 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 craft, de recettes de craft intéressantes, comme par exemple ces pièges d'abeilles, euh, on va dire, je pense que c'est ça. Hein. Moth Traps, ou ces pièges, ces pièges à lucioles peut-être, peut plutôt. C'est des pièges à lucioles en fait, c'est ça. Si tu euh, pièges des lucioles dans ton dans ton piège à lucioles, euh, elles deviendront tes amis et euh... non c'est pas des c'est des, des vers à soie pardon des mosses c'est des vers à soie c'est ça elles produiront donc une grande quantité de de, de soie pour toi euh, use utilise les vers à soie pour mettre pour faire des fringues et des armures hein. les euh, vers à soie sont tes meilleurs. Euh, les, les. Comment. Avoir des amis vers affaire à soi, c'est avoir les meilleurs amis du monde. D'accord, ok. Bon, bah pourquoi pas, on va aller regarder ça. oui, ils ont en ont placé plein, vous voyez, avec différents. différents euh, remplissages, entre guillemets, vous voyez. Hop. D'accord, intéressant. Intéressant. Moi, ça me plaît, hein. Ça me plaît, chers amis, ça me plaît. Euh, on va revenir donc à la page précédente. Euh, on est bien tout en bas. Parfait. 7 mars. Wild, Wild Quest. Je lundi, donc on a passé un grand, bon, grand week-end. Euh, on a fait beaucoup beau, de beau, beau, beau travail sur, les, sur la génération des, des quêtes. Les NPCs répétés vont maintenant générer des quêtes qui seront pour toi et qui changeront euh, euh, sur ce qui sera dans leur monde, dans le monde dans lequel ils sont. On a aussi implémenté un compas de quête qui, qui permettra d'aider à, à mieux savoir où vous êtes supposé aller. Et un système de, de suivi de quête qui permettra de mieux savoir ce qu'il vous reste à faire. On va jeter un oeil vite fait. Il a pas de son, c'est drôle. Euh, par contre, la ce serait bien qu'elle vienne. Je me la mets dans le fion. Ah, attendez, c'est mieux. Voilà, donc une quête avec le reward. Et le, la chose à tuer, à mon avis, je pense. Le compas avec le... comment le... Le suivi de quête. Donc, locater... Enfin, euh, locater, pardon. Euh, retrouver l'endroit... Le, euh, le Lone Grave. Tuer les cultistes. Et euh, ramener Alex en sécurité. Et il se met à vous suivre. Et ben voilà. Ça, ça va être cool tout ça, chers amis. Voilà. Et donc, elle va ramener la quête. Et donc, la quête est remplie. Et on récupère l'objet. D'accord, pourquoi pas. On a un plus gros panneau de la quête ici. Euh, 10 mars. Is this the rail life? C'est sur les rails. Donc, the, le rail system is. Euh... Donc, c'est quelque chose sur lequel Metaleth a travaillé euh, durant les vacances de Noël. Et donc, ils aimeraient euh, pouvoir en profiter pour l'améliorer jusqu'à la sortie. Euh, à temps pour la sortie du, du 1.0. Ils ont quand même essayé d'inclure les éléments euh, dans le, fin, utilisés dans le dans le mod par APGGM de, la, de de manière à trouver des des, des, comment, des, des escaliers euh, craftables, des ascenseurs craftables pour quelque chose qui sera plus euh, dans, dans un design de Starborn, c'est-à-dire quelque chose de plus de plus généralisé, de plus, euh, de plus euh, avec plus de possibilités et de plus de créations possibles avec. Euh, le 11 mars, pet swap. Durant vos voyages, vous pourrez rencontrer des NPC qui sont euh, à la recherche de, comment, de, de, de de types particuliers de pets. Ils vont, ils vont même aller jusqu'à vous les échanger si... Euh, ceux qu'ils ont déjà euh, eux, pardon. Même si euh, c'est un petit peu... Euh, question, euh, leur, leur éthique est un petit peu... Euh, Il y a de quoi se poser des questions. Bizarre, bizarre. Changer une bestiole, c'est vrai que ça fait un petit peu Pokémon, mais bon. Oui, c'est parce que sur le principe. Ok, ok, ok. Pourquoi pas. Ok, donc. Ça pour l'instant, il n'y a rien de bien, rien de bien folichon. C'est plus de la vente. Euh, 24. Taylor Moon. On a référence à Sailor Moon. Hop. Alors, allons voir ça. Ah, je n'ai pas le droit d'y aller. Ah non, ça j'avais déjà vu, pardon. Voilà. Taylor Moon. Alors, alors, alors. Quand vous ramènerez du, du commandé de, de l'équipage sur votre vaisseau, ils auront tous un, dif, un rôle différent à jouer qui sera indiqué par la couleur de leurs uniformes. Par exemple, un soldat, un soldat sera habillé en rouge, les médecins en blanc. Par défaut, leurs, ils, ils, aber, ils, pardon, ils porteront leurs uniformes de, de, du Protectorat terrain. Quoi euh, ouais, qu'il en soit, tu pourras peut-être vouloir changer leurs uniformes pour en faire des uniformes personnalisés à ta guise. Pour, euh, pour simplement aider ton ton, ton, comment, ton équipage à avoir de la gueule euh, en recrutant un, un tailleur qu'on pourra retrouver dans des uniformes, dans des uniformes pardon, noirs c'est ce dont vous aurez besoin en fait, apparemment donc on a besoin d'un tailleur voudrais-tu faire ton donc en fait c'est en lui donnant à lui le comment le le le, comment, le costume, et en lui parlant qu'il va y habiller, en fait, vous voyez, le reste, en fonction toujours dans des couleurs, hein, vous pouvez le voir, hein, le reste de l'équipage, en fait, s'habillera de la même manière, avec des couleurs différentes. Donc ils changeront tous pour avoir, euh, pour avoir leur, leur nouvelle outfit, leur nouvelle tenue, mais bien sûr, les, les couleurs resteront telles qu'elles sont pour les jobs, pour toujours pouvoir distinguer quel rôle va à quelle personne. En parlant de job, euh, tu ne vas pas avoir besoin seulement d'un d'un médecin à bord, mais si tu, tu si tu en, tu pourras aussi les emmener donc en combat, donc ils vont descendre sur Terre, ils vont aussi par exemple, enfin euh, non, voilà, en parlant de job, avoir un médecin, ça, ça ne se passera pas uniquement dans le vaisseau, vous pourrez aussi les amener donc avec vous au combat, et ils utiliseront parfois euh, quelques medikits pour vous, il est les autres cons, les autres forcément, les autres jobs auront d'autres uniques habilités, enfin, d'autres ouais, capacités uniques à vous utiliser aussi. Euh, essayez de les remarquer tout, tout simplement. Bon, bon, bon. Rien, rien de bien. Enfin, rien, rien de bien. Non, non, tout, que des choses bien intéressantes, justement, au contraire. 30 mars. Euh, le plus grand guerrier. C'est lui, les gars, ça fait longtemps, parce qu'en fait, c'est Armagon qui a, posé, qui a posté le, comment, le, le truc. En, en conjonction avec le comment l'expansion du, du enfin, l'amélioration du système de quête et la, son, son, son développement ainsi que celui de, de poste, on prend avantage des nouvelles fonctionnalités à dé, euh, ajoutées par euh, pour, enfin tu, on prend on on, on utilise on prend comment on utilise, euh, avantageusement les nouvelles fonctionnalités pour ajouter quelques euh, quelques quêtes instanciées euh, de, de nouvelles de nouvelles de nouvelles quêtes instanciées simplement. Euh, une fois que vous aurez acquis ces quêtes, les NPC pourront vous dire directement où aller... Euh... Non, pourront vous emmener directement où il y aura à le faire. Une fois que tu y seras, y arriver ou pas, ce sera uniquement euh, de ton propre chef. Donc apparemment voici une, quelque chose qui va aller avec un, une construction de, de Katsus, qui est un, un, comment, un mec qui va sur les wikis du, du jeu. Il a construit donc hop, une gigantesque arène. Ah, Elle est jolie quand même. Hein. Et il y aura donc une série de combats à y faire et qui deviendront donc qui, qui deviendront de plus en plus, qui euh, disponibles de, de enfin de plus en plus difficiles. Euh, à mesure que vous progresserez donc plus rapide, plus profondément dans le jeu, plus loin dans le jeu, avec des challenges toujours plus difficiles et toujours plus mortels à la fin. Aujourd'hui, il a passé du temps à, donc à, à améliorer là, et à mieux équilibrer euh, ces différentes quêtes, ces différents euh, essais de, de combat, ces différents combats, ces différents niveaux d'arène, entre guillemets. Et il semble que pour lui, il est arrivé à un bon équilibrage, donc il va voir ce qu'il fera. Ce qu il, donc il se demande ce que nous, nous penserons de tout ça. Bon, bah pourquoi pas Alors. Finale approche à 1.0. Et ça, ce sera, chers amis, pour un prochain épisode. Je suis content de pouvoir refaire ça, parce que ça, ça permet en fait de moi de me remettre un petit peu dans le bain de l'évolution du jeu. Et à vous de vous informer au mieux que, du mieux que je peux, en tout cas, euh, quant à l'évolution du jeu. Et la, la, comme vous pouvez le voir, la finale approche tout là. Jusqu'à la 1.0, on était le 3 avril dernier. Euh, C'était il y a un peu plus d'un mois, donc on s'approche de la sortie officielle de la release du jeu. Donc moi j'espère que cette, cette petite série de vidéos va vous plaire, chers amis. Euh, je suis désolé pour mon anglais qui est un petit peu approximatif, approximatif beaucoup même approximatif. Euh, <laughs> en tout cas j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous intéresse. Moi je vous retrouverai donc peut-être dans, dans quelques vidéos de gameplay suite à ces vidéos euh, entre guillemets d'information. A euh, vrai dire j'attendrai plutôt, j'aimerais plutôt que le, le, le jeu sorte en 1.0. Avant de. Enfin, au bon moment, entre guillemets, que je puisse reprendre l'histoire. Euh, que, que je puisse reprendre les vidéos de gameplay, plutôt simplement, euh, à la fin de cette information. Simplement, ça me permettrait de vous avoir donné un maximum d'informations et de pouvoir rentrer dans le jeu avec la tête pleine de, 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 de ce que le, les développeurs voulaient nous donner. Voilà. Donc, encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, briser, la commenter, à la partager, à vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, donc vous pouvez trouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver un lien vers mon partenaire. Gamespot.com qui m'a gracieusement fait plusieurs jeux sur la chaîne on vous pouvez voir actuellement euh, Far Cry Primal par exemple et Fallout 4. Donc encore une fois, un grand merci à eux. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Bientôt les 5K, chers amis, les 5K abonnés. Merci beaucoup. On fera une vidéo, je pense, pour les 5K spéciales. Euh, je ne sais pas vraiment encore ce qu'on fera. Je pense que les 5K, sont un vrai chiffre qu'il faudra que je fête. Donc, merci à vous. C'était Marcus Belus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop